Lancement officiel ce lundi 30 août 2021 à Goma de la 55e session des examens d'État pour l'année scolaire 2020-2021. C'est à l'Institut Isidore Bakanja que ces épreuves ont été lancées par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima Kangba, entouré de plusieurs personnalités. Le Nord Kivu aligne au total 55 291 candidats finalistes des différentes sections des humanités, filles et garçons confondus, dans 181 centres répartis en trois provinces éducationnelles, y compris le centre consulaire de Kigali. Dans son adresse aux élèves finalistes, le lieutenant-général Constant Dima Kangba les a exhortés à garder le sang-froid pour parvenir à l'objectif assigné, celui d'atteindre 100% des réussites. L'autorité provinciale a profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son implication personnelle qui a permis de sauver cette année scolaire ayant connu des moments d'arrêt pour différentes raisons. Ce que vous attendiez pendant le 10 mois passé sur le banc de l'école, nous tous nous sommes passés par là. Vous avez été pendant toute l'année en train de suivre ce que vous allez maintenant suivre. Ce sont les cours, les matières que vous avez déjà étudiées. Soyez calme, surtout ne soyez pas traumatisés à notre présence ici. Nous allons partir, nous allons vous laisser travailler calmement et le pays compte beaucoup sur vous. Notre souhait, vous l'avez entendu là-bas, sortez d'ici 100% sûr, ok? Bonne. L'inspecteur provincial principal du Nord Kivu 1 a salué l'intérêt que le gouverneur a montré à a aussi salué les efforts consentis par les parents. Les villes et territoires passent aussi leur examen d'État 2021 à dater de ce lundi 30 août. En ville de Beni, c'est le maire et le commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba Kachalé qui a donné le go à ces épreuves au centre Beni 2 situé à l'Institut Bungu Vision, commissaire de l'autorité provinciale du général et conseiller principal du gouverneur en matière d'élection. Les élèves visiblement détendus, en dépit des quelques incertitudes vécues par le passé pour des raisons sécuritaires et autres, ont affiché un esprit serein pour affronter ces épreuves de 4 jours. Occasion pour les maires d'encourager tous les finalistes de sa juridiction avant de les inviter à éviter des comportements bizarres. Juste après, les porte-parole du gouverneur militaire, le général Ekeng Sylvain, en sa qualité de responsable de l'éducation, a entamé la ronde des quelques centre d'exil. Il est à du territoire de Beni, situé à 30 km au nord de Beniville, où il est du bon déroulement des pour ce faire était dans les centres situés dans les enceintes des instituts Kalimba et Mabalako. Ils sont sereins. Les élèves finalistes des écoles secondaires pour la passation d'examen d'État édition 2021, ceci grâce à la tranquillité et la bonne partie de l'Ituri, sous état de siège, s'est réjoui. Sosten Charles Bishimbo, l'inspecteur. D'une manière générale, même là où il y avait des couacs, sur le plan sécuritaire, les candidats, tous présentent les examens d'État. Tous sont dans le centre des examens d'État. La passation d'examens dans tous les centres organisés, un pari gagné pour cette province où les FARDC font de l'ermier pour imposer et consolider la paix. Le gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant général Luboyan Kachamadjoni, qui a officiellement lancé ses épreuves. Chers candidats, cela fait au moins 38 ans
aussi devant ces épreuves. Donc, je voudrais vous dire une chose. Si aujourd'hui nous sommes là où nous sommes, c'est tout simplement parce que nous avons été disciplinés et on a été travailleurs. J'ai beaucoup aimé, en arrivant ici en tant qu'officier militaire, j'ai vu que vous aviez le moral. Le moral fait transparaître la confiance. On dit, pour ceux qui vont faire le droit comme moi, la forme présage le fond. C'est-à-dire, en vous voyant comme ça avec le moral, en vous voyant très fier de vous, en vous voyant aussi propre et bon, n'est-ce pas? Cela signifie que même à l'intérieur, tout a été préparé. Et donc, il faut avoir confiance en soi. Tout ce que nous faisons dans la vie, si on n'a pas confiance, il y a très peu de chances qu'on réussisse. Donc votre moral, le fait que vous soyez sûr de vous, nous montre, nous prouve que vous n'avez pas peur. Au-delà, c'est un examen comme tous les autres. Et donc, nul n'est besoin de paniquer. Soyez disciplinés. Lisez votre questionnaire et répondez-y. Et surtout, lisez tout. Lisez toute la phrase. Parce que souvent, quand on est devant ce genre de questions, on lit la moitié de la question et on pense qu'on connaît. On continue dans la tête la suite. Non. C'est tout. Et soyez serein. Vous allez perdre votre temps pour rien. L'examen du passé où vous allez vous préparer. Je suis sûr comme vous. Maintenant que je suis en train de vous voir, chose qui me va la paix, c'est ces enfants-là qui vont. Pour que, effectivement, avec notre travail, avec votre aide, qu'il y ait la paix ici en Ituri, pour que je revienne dans 5 ans. Dans 10 ans, que vous me disiez, mon gendarme, vous vous rappelez, c'est vous qui êtes venu ce jour-là à l'école, avec un gros sourire. Peut-être même, dans 5 ans ou dans 6 ans, ce sera un sous-lieutenant qui sera devant moi, qui va me dire, mon général, qui va me saluer comme un bon officier. Et qui va me dire, mon général, vous savez, ce jour-là, quand je vous ai vu, je vous ai entendu parler, je lui ai dit que moi aussi, je serai militaire. Et voilà maintenant que je suis dans l'armée. Pour donner la paix aux autres, pour donner la paix à vos familles,
Je vais vous souhaiter une très bonne chance. Et sur ce, je déclare lancer les épreuves de l'examen d'État 2021 sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. L'autorité provinciale a visité quelques centres d'examen. Question de motiver et encourager ces finalistes. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. La frappe de l'armée régulière contre le groupe armé CODECO est incommensurable et sans état d'âme sur le front sud dans le territoire de Djougou. Partant de Higa Barrière, Bambou, Kilo Mission, Kilo État et Kobu, jadis bastion des groupes armés CODECO, jusqu'à Mungwalou, dans le secteur de Banyali Kilo, sont désormais pacifiés et demeurent sous contrôle des forces armées. Après les opérations de ratissage dans la zone, les forces armées ont poursuivi les ennemis à l'ICI, Ikendei, autre retranchement de CODECO. Toutes les forces de Matinini, je suis de tout le Engagé et déterminé à restaurer l'autorité de l'État en province de l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachamadjoni, a instruit le général Niembo Abdallah, commandant adjoint du secteur opérationnel en charge des opérations et renseignements, de continuer la poursuite contre le rebelle à Liberia, Guado, Amayolo, Licei, Samangoli, dans le groupement Kaba Kaba et Kama. Ni les mauvais états des routes et aucun obstacle n'ont pas empêché le rouleau compresseur des forces armées de mettre les ennemis de la paix au bout du rouleau. Au gouvernement, au Kokate, t'as des sièges, je vais remettre ça ma force. Rappelons que depuis le lancement des opérations dans sa troisième phase contre la milice CODECO dans les territoires de Djougou, où ces renégats régnaient en maître, ont été délogés. 20 éléments de cette milice neutralisés, 8 armes de type AK-47 récupérées. Par ailleurs, 6 autres se sont rendus au rouleau compresseur des forces armées. 12 localités récupérées, y compris le centre de négoce de Kobu, où actuellement les soldats loyaliste impose la paix telle que voulue à l'état de siège par le commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo. À la suite de ces hauts faits d'armes des forces armées qui ont permis la réouverture de la route Higa Barrière Mungwalou jusqu'au sacrifice suprême pour la défense de la patrie. C'est la raison de la visite du premier ministre de la République démocratique du Congo, Sam Lukonde Jean-Michel, à l'hôpital général de référence de Bounia pour un soutien et un réconfort moral aux vaillants militaires des forces armées. L'état de siège demandé par la population est activé par le président de la République et mis en œuvre par le gouvernement de la République. Nous avons demandé à ce que toutes les structures, finalement, avec les autorités en place, puissent travailler en toute collaboration. Nous terminons cette visite ici à l'hôpital général de Bounia, venu visiter nos blessés de guerre, ces militaires, ces vaillants soldats qui vont sur le terrain jusqu'à perdre leur vie sous le drapeau. Nous les saluons tous les jours et aujourd'hui on devait voir dans quelles conditions ils sont traités, ils sont soignés. Lucieux de signaler que, à l'issue de la réunion de sécurité élargie sur l'évaluation de l'état de siège en Ituri, qui était présidée par le premier ministre entouré de la délégation ministérielle, ont loué et salué le résultat obtenu jusqu'ici sur le plan sécuritaire et opérationnel en province de l'Ituri.
Les acteurs miniers de l'Ituri s'engagent à sensibiliser les groupes armés qui s'approvisionnent de revenus de ressources minières en Ituri. C'est l'une des recommandations de la table ronde sur la gouvernance minière qui a clos ses travaux de 3 jours ce vendredi à Bounia. Pour Xavier Maki, directeur exécutif de Justice Plus, cette situation retarde le développement de l'Ituri. Il faut dire que toutes les parties prenantes ont intérêt à ce que les secteurs miniers soient assainis. Nous avons la responsabilité évidemment de sensibiliser nos communautés qui continuent à endeuiller la province de l'Ituri et à s'alimenter même à partir de l'exploitation illicite, à pouvoir comprendre que nous avons tous intérêt à pouvoir construire ces pays. Par là, au nom du comité provincial de suivi des activités minières, Alain Chaban Kumariki, chef de division de mines, promet suivre à la lettre les conclusions de ces assises. Le gouverneur militaire de l'Ituri qui a présidé la cérémonie a invité les parties prenantes à l'appropriation de nos choses apprises dans le processus de procédure de certification de minerais à l'exportation. Une préoccupation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui prône la bonne gouvernance. Dans la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la police nationale, à qui je rends les hommages les plus déférents pour sa détermination à rétablir la paix et la sécurité en décrétant l'état de siège dans notre province pour que nos populations puissent bénéficier de nos ressources naturelles. Des missions de suivi et évaluation de ces recommandations seront organisées pour la mise en application de toutes ces résolutions. La 14e région militaire, en partenariat avec les bureaux conjoints des Nations Unies pour les droits de l'homme en RDC, a organisé du 23 au 26 août 2021 un séminaire de formation sur la politique de diligence voulue par les Nations Unies en RDC en matière des droits de l'homme. Organisé à Béatrice Hôtel, ce séminaire a connu la participation des 40 officiers, sous-officiers et OPJ venus des unités de la 14e région militaire, de l'état-major général, de l'état-major renseignement et de la force terrestre. Après l'hymne national et sommet d'ouverture, le chef de brigade Ilondo et Fondo Igo, commandant 14e région militaire et commandant place civile province de Kinshasa, a reçu domaine du représentant du directeur du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme en RDC les matériels informatiques pour appuyer le travail du comité de suivi des violations des droits de l'homme de la 14e région militaire et la MONUSCO. Les commandants 14e région militaire, les chefs Ilondo et Fondo avec ce comité de suivi régional. Donc nous accueillons vraiment avec un bon cœur, nous vous disons merci. Transmettez aussi nos remerciements au directeur du bureau conjoint des Nations Unies, madame la coordinatrice aussi. Nous garantissons que ça va être pour le bon usage de ce comité et c'est vraiment merci pour ces gestes. Les droits de la personne arrêtée, les principes et règles en matière d'arrestation et de détention, les fondamentaux des droits de l'homme, le travail du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme et la lutte contre l'impunité des violations des droits de l'homme en RDC, la lutte contre les violences sexuelles et la politique de diligence voulue en matière des droits de l'homme ont constitué les modules enseignés tour à tour pendant 4 jours par les différents orateurs. Dans ce mot de clôture, le général Ilondo a appelé les participants à être des ambassadeurs dans leurs unités. Vibra hommage au commandant suprême de FARDC pour avoir permis aux militaires de FARDC de s'imprégner de respect des droits de l'homme. Je voudrais rendre un vibra hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, le commandant suprême de notre armée, le président Félix Tshisekedi Tshilombo pour avoir permis aux militaires de FARDC au respect des droits de l'homme. Je voudrais aussi remercier mes chefs hiérarchiques pour avoir permis de donner leur approbation à la tenue du dit séminaire. Mes remerciements s'adressent également aux officiers que vous êtes, toutes les unités confondues, ainsi qu'à l'ensemble des personnels qui ont animé les différents modules de cet atelier pour leur enthousiasme et active participation. Je saisis également cette occasion pour dire un merci particulier
au directeur du bureau conjoint des Nations Unies, ici représenté par madame, lui a donné les moyens logistiques et financiers et pour la dotation de matériel informatique que nous avons reçu ici, qui soutient aussi le fonctionnement du bureau du comité régional. Chers participants, vous venez d'acquérir des connaissances nouvelles sur la thématique qui a été développée à travers cet atelier et il vous appartient à vous de partager les dites connaissances à vos compagnons d'armes dans vos unités respectives. Cela a vu de réduire de manière extensive le taux de violation des droits de l'homme imputable aux militaires de part et ceux que nous sommes. Soyez de vrais ambassadeurs des droits de l'homme là où vous travaillez et dans l'exercice de vos fonctions. À l'issue de cette formation, sanctionnée par la remise de brevets, la coordinatrice du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme en RDC a donné l'objectif de ce séminaire. L'objectif, c'était vraiment de sensibiliser la police militaire. C'est parti d'une série de séminaires qu'on fait avec la 14e région militaire. Sensibiliser les participants sur le droit international, les droits des hommes et aussi la violence sexuelle. Et toute la politique de diligence publique. Alors, je crois qu'on a fait ça pour 4 jours. Je crois que les participants en France ont bien profité de cette opportunité. Et je crois que c'est aussi une opportunité de renforcer le comité de suivi sur les violations des droits de l'homme. Et ça m'énerve partout dans le pays, à l'Est et aussi ici. Nous sommes basés, notre quartier général est basé ici, mais on a une très bonne collaboration avec la 14e région militaire. Et nous pensons que c'est important de sensibiliser tous les des affaires d'essai, ici à Kinshasa et aussi sur le terrain à l'Est. Quelques participants ont donné également leurs impressions. J'ai été vraiment édifié. Il y avait certaines choses que je ne maîtrisais pas. Aujourd'hui, je maîtrise certaines notions qui ont été dispensées. Ce que j'ai retenu. Dans tout cela, ça se résume en vie et sacré. Nos impressions sont bonnes. Le bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme est très important sur les violences faites à la femme parce qu'il y a eu beaucoup de cas qui ont été. Et c'était vraiment très bénéfique pour nous. Et c'est à nous aussi de vulgariser ces lois dans toutes les unités phares. C'est important pour notre armée. Vous savez que pendant longtemps, notre armée d'abus des droits de l'homme pour cette initiative, notre hiérarchie militaire, le haut commandement militaire a bien voulu. Nous pensons que nous avons acquéri de nouvelles connaissances pour mettre fin à tout ce qui se passe. Heureux, nous sortons bien aguerris. À l'issue de cette formation, nous saurons faire la différence entre les violations de droits de l'homme et les abus de droits de l'homme. C'est une confusion qui règne dans les têtes de profanes en la matière. C'est pour dire que le langage d'ores et déjà changé. En tout cas, ça a été une formation très capitale pour tous les participants. Nous voulons que cette formation ne se limite pas nécessairement ici à la garnison de Kinshasa, mais qu'elle puisse aussi s'étendre sur toutes les unités rattachées aux forces armées de la République. C'est pas une photo souvenir que cette formation a pris fin.